s'affiche en bas. Est-ce qu'on Pour vous, désactive chers les verrous? téléspectateurs, Et va, le vas-y. code est BPGUWQ. Ah merde, on change de carrément. Alors le mec il dit tout très lentement et d'un coup, allez vas-y, je trace la ligne d'arrivée. C'était exprès. Me remets-le dans le canal stream, hein, sens tu te Banque fais postale, chier. Groupama, une marque en U. Bah U. Google. Ouais. Uber Eats. Une marque en W. Weight Watchers. Volkswagen. Volkswagen. Non, c'est avec un V. Ah non, c'est un V. Et Q, une marque en Q. Une marque en Q. Quick. Ah, nous, je suis ouais. Une marque sur les lives, c'est pas bon là. On en a cité plein. On en a dit plein, ouais. Il y a Ralga qui propose Quant, c'est vrai, je préfère Quant du coup. Non. Non, mais bah, entre Quick et Quant. J'ai des potes qui ont bossé chez Quant. Sinon. Et du coup, le code? Mais. PGU. Voilà, pas tout ça en même temps, secours. Alors, B. PUBG, mais pas dans le bon sens. Je fais que la première lettre, c'est vachement bien, c'est pratique. B, P, ouais. G, U, ouais. W, Q. C'est compliqué, hein. Mais la prochaine fois, on trouvera des jeux vidéo. Il manque quelqu'un. Il arrive. C'est bon. Est-ce que je réduis le nombre de tâches ou je laisse comme ça? Non, mais en 2-2-5 par contre, parce que moi je les ai finis quasiment au premier buzz. Ouais, moi aussi je l'ai fini hyper vite. Hein. Mais du 2-2-5. Ouais, mais tu regardes pas du coup les autres ce qu'ils font, Imra. Ça veut dire que t'enchaînes. Ah, mais si ! Mais c'est bien ça le problème, c'est que j'ai le temps d'observer les autres. 2-2-4 2-2-5. J'ai vraiment l'impression que là, les visual tasks. Je voudrais tirer les visual tasks parce que j'ai l'impression que les imposteurs galèrent pas mal. Ouais, moi j'aime pas trop les visual tasks. Mais là, il y en a qu'une au final. Ouais, là ça va sur cette map. Faire tirer. Qu'est-ce que vous appelez les visual tasks? Les tâches en gros qui, quand tu les fais, ont un effet visuel. En gros, si tu fais les astéroïdes, on va voir les canons tirés. Ok. Au final, coup, la personne. Ouais, si t'es imposteur, faut que tu penses à pas faire du mytho sur les visual tasks, parce que sinon c'est grillé direct. Dès que la vie est retirée, okay. Mytho sur les visual tasks. Je crois que j'ai fait Mad. Donc pas de visual 4, task. 3, 2, 1, pas de visual task. Bon courage. D'accord, puis, merci. À bientôt. Au revoir. Vous n'êtes pas un robot. Pour une fois. Ah, les clés. Oh, on peut pas. On peut pas. Il n'y a pas eu de killstall, quoi. Voilà. On va fixer les lumières. Allez Maurice, donnez-moi les ampoules. Ah ben, alors. Ah ben alors. C'est qui répare? C'est toi, moi. C'est moi. D'accord. How? La même chose que Imra. J'avais dit how, c'est tout. Je comprends pas. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais là, on est allé réparer les lights avec Jake, on est ressorti, il y avait un cadavre devant la porte. Je suis sûr, il y a encore les griffes sur la porte quoi, s'il y avait une porte. Il s'est fait tuer alors. Parce qu'on a personne de mort en fait. Si si, en deux. Si, Ando qui est mort. Il y a Ando qui est mort du coup, et à l'entrée de l'électricole. Sur mon live, je vois aucun mort, c'est pour ça que ça m'a choqué. C'est peut-être parce que tu as essayé de le tuer. Oh non, c'est bon, arrête. Arrêtez Mulan, t'es parti vers où, toi? Parce que je t'ai vu un petit moment aller vers la gauche, justement. Non, t'es pas allé réparer l'électricole. Ah, t'es descendu. Descendu direct et là je remontais du coup. Ok. Et pourquoi tu remontais? Les autres. Quoi? Et pourquoi tu remontais? Bah parce qu'il n'y avait plus d'électricité. J'ai commencé à revenir réparer quoi. Final, bah... Moi j'ai mis 2 heures à comprendre ce qui se passait au niveau du dropship, au niveau de la quête. Du coup, voilà. Et après je descendais vers storage. Donc Familan, tu dis que t'étais à O2?
Ah non, non, j'étais. J'allais rentrer dans Non, pas communication. Si au-dessus de Weapon, c'est communication, je sais. Ouais, comme, ouais. Comme, ouais. Non, au milieu, en dehors des bâtiments. Ok, non, parce qu'à O2, j'ai vu personne. C'était quoi la quête sur laquelle t'as galéré, Kylian? Les clés. Je savais pas du tout, je connaissais pas. Oh, ok. Pareil, honnête. Non, je l'ai vu mongoliser, je confirme. Alors, attention au langage. Pardon. Je suis resté un peu en dehors du pack aussi pour éviter les clés paquets. Jake, est-ce que t'as vu quelqu'un d'autre, toi, à proximité de non. L'électricité? Non, non, on s'est suivi, on a fait la même chose, les mêmes tâches, et donc là, c'est clairement... Y'a qui Elec, du coup, là? Moi, il me reste. Ouais. À moins que je sois une chèvre et que j'ai marché sur le cadavre, maintenant, bah, de toute façon... Non, en arrivant, il y avait pas de cadavre. Hein. Bah, c'est ça. Ou alors, j'ai marché dessus, et j'étais sur Elec, et puis j'ai pas fait attention, et puis... Vraiment, il y avait pas de cadavre en arrivant. Bon, il reste 20 secondes. Ouais, de toute façon, on va skipper, mais... Mais il ne manquait pas des personnes, hein, c'est votre ou sont les autres. Ouais, il y en a une qui sont très silencieux. Hein. Moi j'ai passé tout ça. Je suis dans le couloir entre Security et O2. Totalement à l'opposé de là où sont passés. Entre Security et O2, c'est qui a dit ça? C'est Light One, mais du coup là il n'y a personne. Donc, Bah moi j'étais à O2. Ok. Je suis pas encore au carré de O2 donc. Ok, mute. On retourne vers Electrical, R30, Femulan, dernière nuit, il y avait du vert clair, Alk, il est déjà là. Il a tracé Alk. Il n'a pas été imposteur une seule fois pour le moment. Ah, Relay Lights. C'est drôle d'être imposteur avec Nino comme mardi dernier. Comme ça on peut faire des double kills et des kill stack. C'est rigolo. Elle aime pas ça mais moi oui. Bon, on va remettre le wifi. Parce que internet en Ethernet c'est cool, mais tout le reste des appareils est en wifi. Oh bah 2 minutes hein. Tac. Voilà. J'ai retrouvé un cadavre. Vous êtes où? Vous avez fait quoi? Quel est le numéro de votre carte bleue? Alors, 4, 9. moi, je suis parti à droite vers labo, j'ai fait astéroïde, après je suis reparti à gauche vers les fils électriques au-dessus de sécurité. T'as fait laboratoire Weapons? Tu viens de dire ça? Ouais, j'ai dit, je suis allé en haut à droite, j'ai fait la fusée avec les 4 trucs. Après, je suis allé à droite sur l'interrupteur. Après, je suis reparti tout à gauche au-dessus de sécurité. Voilà où il y a les fils électriques. Confirme, je l'ai croisé, je sortais de sécurité. Et l'astéroïde, c'est lequel où là-dedans? Comment? Astéroïde, t'as parlé d'astéroïde. Bah le machin où tu dois switch la carte pour trouver la bonne planète là. Moi, ah c'est pas ça, c'est télescope. Ça, c'est ah oui non parce que moi j'étais à Weapon, s'il était pas là j'allais dire. Oui voilà ouais. C'est pour ça. Alors moi je l'ai vu faire astéroïde et il y a quelqu'un d'autre qui peut confirmer qu'il était astéroïde. Donc toi t'as vu Famulan faire astéroïde. Au télescope. Au télescope. Ouais. Oh embrouillé. Nino met un peu d'éclaircissement dans tout ça. Alors, moi ce qui me surprend, c'est que j'étais au télescope au tout début, et j'ai vu Imra en dehors de laboratoire, mais il était pas rentré dedans encore, il était au niveau de la fusée qui est dehors, dans le coin là. Mm-hmm. Après moi je suis parti à Spitzman, mais du coup s'il dit dans le même ordre qu'il a fait le télescope, c'est pas possible, on aurait été en même temps au télescope. On s'est retrouvé à 3 au télescope. Je suis bigleuse, vraiment. Ouais, c'est pas grave, Nino. Ça fera... Nino, c'est pas grave, ça fera un clip en plus. Où est-ce que vous êtes c'est ça. Autres, quoi. Bah, du coup, moi, je suis un peu d'accord avec. Enfin, je suis un peu d'accord avec Nino. J'ai croisé Nino dans le sas de décontamination nord, enfin laboratoire.
Mais du coup, moi, quand je suis parti, quand ça a commencé le round, je suis parti admin, décontamination, je suis parti spécimen, j'ai fait le Simon là, enfin le truc où il faut faire la musique. Et du coup, ça m'a semblé être super long. Et quand j'entends Imra, il a fait que fusée et télescope. Je Il est très 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 bien caché. Mais tout le monde n'a pas parlé. Ça. Perso, j'ai fait weapons. Je suis allé electrical. Jack est sorti d'electrical pour réparer les lights. Et après, j'ai fait les fils au-dessus de security. Et je suis resté security. Moi, j'étais labo aussi avec les autres. Là, je suis à spécimen avec Nino et quelqu'un d'autre. Je sais pas qui. Le cadavre était dans communication, bien caché, on ne pouvait pas le voir ailleurs. Que si on rentrait pas. Ok. Mmh. Qui c'est qui vient de soupirer? C'est moi, je baille. Oh, ok. Ça ressemblait à un cri de soulagement parce que j'ai pas été capté, quoi. Ah, d'accord. C'est suspect quand même. Med B, Med B, laboratory, communication. Bon, on va faire comme ça, c'est fait. Et après, on ira tout à droite. Ok. Nous remontons. Attends, il y a peut-être un truc là-dedans. Non, il n'y a personne. Mais c'est quelqu'un qui aime cacher des cadavres. Oh, putain. Ah, pardon pour le mot. J'ai... Faut que je change de mot. Good. Et du coup, quelqu'un est... Artrand. Light One. Y'a personne de mort. Ah, et la température. Moins 20 degrés, ressenti moins 37. Télescope. Ah putain. Ah, faut que je change de mot. Au moins je m'en rends compte, c'est déjà pas mal. Lélec, je suis un peu loin, je vais faire confiance. Je crois qu'il n'y a plus étage visuel. Ouf, validé à temps. Ouf. Ça tue un par un. J'ai pas vu, on était dans le noir, mais c'est tout. C'est le plus simple. Labo médical. Je suis électrical avec Artrand. Tu confirmes Artrand? Ah ouais, je confirme, il a réparé. Ok. Les autres? Moi je sortais, je venais d'arriver aux Vitals. Je suis désolé de vous interrompre, mais moi personnellement je suis totalement buggé, c'est-à-dire que je vois le chat des morts, donc voilà, je me vois même pas morte, je savais même pas que j'étais morte. Il va falloir recréer la partie après, je sais plus rien, faites vos trucs, mais moi je suis totalement buggé. D'accord. Imora, tu m'as dit où? Au Vitals. Donc c'est admin ou office, je sais plus lequel des deux. D'accord. Ouais, Vitals c'est office. Et Jerem, t'es où? Moi je suis là, je suis arrivé, je suis à droite de weapons, je suis quasiment admin. Quasiment office, pardon. Et un t'étais où juste avant? Juste avant, j'étais à O2 à l'arbre. Okay. Moi, il y avait quelqu'un d'ailleurs. Où le corps mêlé? Où le corps mêlé? Il est à O2, mais pas à l'arbre, là, en dessous. Là. Là où il y a les bouteilles. Moi, je suis à O2 à l'arbre. Enfin, à côté de l'arbre, en train de faire... C'est toi, je t'ai vu. Mais Light One, t'aurais dû croiser Nino, du coup. Bah, c'est ce que je me dis, en fait. Y'a que toi qui as pu passer par là, Jérémy. Surtout que moi, je l'ai vu Nino à droite de communication, là, justement, elle allait vers l'O2. Donc, si Jérémy était dans le sens, vous êtes forcément croisés.
Bah non, je l'ai pas croisé vraiment. Je sais pas si on s'est croisé, mais clairement je l'ai pas vu. C'est soit toi, soit Imra, du coup. Parce que... Ou un mec qui venait de l'extérieur. Touch, t'étais où? Oh, mais, putain, le diadème, j'étais avec Artrand Electrical, j'ai remis l'électricité. Il restait Jake. Laboratoire, Medscan, je me suis baladé par là-bas. Ouais. Pour moi, c'est soit Imra, soit Lightwell. Ouais, ouais, bah j'ai rien de plus que ça pour me défendre. Moi, clairement, je suis passé par là, mais je l'ai pas vu, Nino. Light One, à un moment, on était paqués, je crois que c'était avec Med aussi. Ouais, ouais, j'ai vu. On faisait l'arbre. Moi, j'ai voté Light One, il peut y avoir qu'un seul ou Alpha dans cette meute. Voilà. C'est vrai, taillé direct. Med B et Spécimen. Alors, Tachimra, c'est qui reste? Mulan, Artrand, Med. Med est re-rentré. Ok. Allez, il nous reste que les spécimens. Vas-y, Med, ouvre la porte. Eh bien. Faut appuyer sur le bouton, en fait. Artrand est derrière. Non, je suis tout seul avec Med. C'est lui, il va me tuer. Ah non, il y a Imra derrière, ça va. On est 4 et j'ai fini mes tâches. Imra a l'air d'avoir terminé ses tâches. Ah ok, non, sur le chat, je lis en même temps. Hein. Nino est complètement full bugué. C'est vrai qu'Among Us, il est pas très très optique quand même. Mais il bosse dessus, c'est bien. Vraiment, les devs d'Among Us, Inertialot, vraiment bossent sur le jeu. Et ça, c'est cool. Ils font en sorte, vraiment, ils sont à l'écoute de la communauté, ils font... C'est chouette. Caméra. Salut Touch. Salut Med. Non. J'aime pas les portes fermées. Oh, vite, Imra, vite, je sais que tu vas aller sur l'autre, Imra. Merci. Ouf. Je pense que Artrand a voulu kill. Ok. Oui, et GG. C'était qui? C'est qui a dit? C'était toi, Mulan? Vous étiez tous paqués. Bah ouais. Ouais, moi je suis fort avec. Alors, quand c'est comme ça, normalement, c'est à ton coéquipier qui est déjà mort de t'aider. Light One. Bah ouais, mais c'est pas. Yes, j'ai essayé, mais. Il était beaucoup imposteur quand même. Hein. Bah oui. Ouais, ça fait 3 fois. On va prendre un duplex, on va se diriger quelque part en France. Nino, bonjour. Oui, bonjour, oui. Je commence mon jeu déjà parce que c'est incroyable la partie que j'ai eue, il faut que je vous raconte ça. Alors, c'est simple, je ne me suis pas vu mourir. J'ai suivi Jake pendant la partie, j'ai ouvert des portes. Imra, t'as dû me voir ouvrir une porte alors que j'étais morte. Ah ouais, bugger, moi. Ouais, j'ai ouvert une porte, Imra, à un moment. C'est simple. Bah, merci, écoute. J'ai envie toute la partie, j'aurais pu débugger les trucs, j'aurais pu... Enfin, c'était incroyable ce qui s'est passé sur mon live. Je le replay, c'était beau. Non, tu es morte très peu de temps, hein. Enfin, tu as été report très peu de temps après ta mort. Hein.
je me voyais pas morte en fait. Et Ando, je suis en vie aussi. Mais est-ce que tu as vu ton animation de mort? Est-ce que tu as vu ton kill? J'ai vu mon kill. Pour moi, j'ai fait tranquillement. Et après, vous avez report et je me suis pas vu mourir. Alors, ah ouais. Tu es mort dans le O2 quand tu remplissais des canettes. J'ai pas vu d'animation. Rien du tout. Les canettes? Donc là, je vais commencer le jeu et j'espère que ça va suffire à corriger le bug. Croisons les doigts. Oui, est-ce que je peux dire le BPGUWQ? BPGUWQ. Borderlands, incroyable. Portal, GTA, un jeu en U, un jeu en W et un jeu en Q. On aurait le tournoi. Flemme. Allez. Toujours pas imposteur. Je veux être imposteur avec Nino, moi. Alors, oula, il y a plein de tâches de partout. Oui. Est-ce que... Le délire. Oh, le ah kilo là, le petit okay. Kilo en plaque. Oh non. Okay. Le kilo. Jake était en dessous, donc c'est pas lui. Moi, j'étais en dessous du pack. J'étais pas dans le pack. Pareil. Je suis à laboratory, moi. Donc, personne. Je... Ah ouais. Ouais. En gros, il restait qui sur le pack, Anto? T'as vu qui d'autre, Eva? J'ai eu personne, puisque en fait, j'avais la tablette de la mission devant moi, quoi. Donc j'ai rien vu. Alors moi j'ai vu Ando, je crois qu'il y avait Hulk. Non. Oui, ou Imra, je sais plus. Qui était encore là. Il y avait trois personnes encore sur les clés, il me semble. Et moi, non, toi tu venais d'arriver. Moi. Moi j'étais dessus aussi. Au fait, au tout début, on a été à gauche avec Med. On a eu fini le truc et je me suis décalé à droite et voilà. Donc j'étais dessus. Moi je dis c'est fort. Ouais, c'est pas au chocolat. C'est un kill en pack. Hein. Ouais. C'est toujours difficile. Ouais, c'est Elliot, mais il est pas là. Mais c'est Elliot quand même, il aime faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense aussi. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler qui était dans la pièce là ou qui était dans le pack Ouais. Famulan. Alors, ouais. Famulan. Jake et moi n'y étions pas. Et... Tout à fait, je peux confirmer pour Hulk dit qu'il n'y était pas non plus. J'étais au lab, ouais. Je pense que Jake peut confirmer pour moi également. Oh, j'en sais rien, j'étais sur le téléphone. Ah d'accord. Bah yes, super en fait, super. Alors il y a juste un truc, ça ressemble un petit peu à une stratégie de tentative de double kill là, qui n'aurait pas fonctionné. Je pense qu'il y avait les deux imposteurs dans le paquet. Il y en a juste un qui a pas suivi, l'autre. Double kill là-dedans, c'est hyper dangereux. Hein. Il reste pas mal de monde. Hein. Double kill, c'est pas trop compliqué de faire ça là-dedans. Mais le attends, pack était pas assez gros. Si jamais il y a un pack de 6, ouais. Non, mais ils attendaient peut-être qu'il y ait justement deux retardataires et faire un double kill discreto, c'est se barrer de là. Si jamais, par rapport au fait que tu dis que c'est possiblement un double kill, est-ce que tu as vu un mouvement vraiment qui te dit qu'il aurait pu y avoir un deuxième kill? Non. C'est juste. Enfin, voilà. Moi, c'est la stratégie à laquelle ça me fait penser, tu vois. Parce qu'un kill dans un pack comme ça, c'est quand même assez inattendu. Non. Ouais, mais deux kills, ça aurait été trop dangereux, en fait. Un kill, ça passe. Deux kills, c'est trop gros. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu deux, je pense. Imagine, on est quatre dans le pack et il y en a deux qui meurent, du coup. Bah, les deux qui restent, c'est ça. Surtout qu'il y a du monde juste en dessous, en fait. Ouais. Et parmi ceux qui étaient présents, normalement, on voit pas l'animation du kill, là. On tu voit vois pas l'animation, mais c'est tellement il y a tellement de monde en même temps que... C'est ça, tout le monde est entassé. En plus de ça, s'il y en a qui sont sur les quêtes, ils voient pas. Ça. Ça commence fort, en tout cas. Full skip. Bon. Full skip, full bah, skip. C'est parti, hein. J'ai même pas fini la quête avec cette connerie. J'ai même pas commencé la quête. Du coup, je voulais partir par là-bas. Ah, comme de suite. Il y a Violet qui est rentré. Salut Touch. Imra astéroïde. Bon, c'est bien. Enfin, parce que bon, ces streams ont quand même un but. Vous le savez, à force, depuis je sais pas combien de mardis là.
Et ce soir, ça fonctionne très bien. On arrive à s'écouter, ça coupe pas trop la parole, ça argumente, ça articule. Et du coup, je suis embêté parce que en vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, voilà. Donc, mardi prochain, on va faire revenir des... On va essayer de faire venir des... Des gens aussi qui veulent apprendre. Donc, si vous suivez ça, vous avez envie de participer, d'apprendre... À utiliser votre voix d'une manière un peu différente, d'une manière un peu plus pro aussi, ça peut être utile lors d'un entretien ou un cadavre. Et bien n'hésitez pas, abonnez-vous aussi au passage. J'ai des infos, mais j'attends que Ando parle. Ok, c'était visible en fait, c'est pas compliqué, c'est Famulani qui l'a tué devant moi. Pas de chance, elle était toute seule. Mais sauf que je suis rentré au même moment. Et d'accord, chance, c'était pas en cam donc. Comment ? Ce n'était pas en cam donc. C'est en cam. Bah, tu l'as vu physiquement, tu ne l'as pas vu à travers un écran. Elle l'a tué au moment où je suis rentré dans O2. Ok, le cadavre d'Artrant est spécifiquement là où on récupère la température du laboratoire, en haut là, chaude. C'est parce que j'allais le buzzer au moment où tu as buzzé. Alors, c'était sûr en fait. Alors, c'est Imra, je crois. Moi, je suis arrivée en O2. Imra sortait de l'arbre. Light One était en train de faire la quête des feuilles. Et moi, je suis rentrée pour faire la quête des bouteilles d'O2. Je suis ressortie. Et là, Nino, qui était en train de faire la quête des feuilles, s'est fait décapiter par Endo devant moi. Sauf que le temps que je réagisse, il a report avant moi. Donc il m'a accusé. Donc là c'est du... C'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Oh j'aime pas quand c'est comme ça hein. C'est vraiment tout ça ou... Dalida versus Serge Gainsbourg. Alors, je peux rajouter un petit élément. J'étais à Spécimen pendant que les lights sont coupés. Et il y avait Endo avec moi. Oui. Alors le kill à Spécimen c'est le kill le plus caché au monde. Donc. Il y a de fortes chances que Endo aurait pu me kill là-dessus. Donc j'ai plus tendance à croire à Endo. Alors, non. Par contre, il y a Jake qui peut dire quelque chose sur moi aussi, je crois. D'accord. Et donc il a... En tout cas, ça lui saute aux yeux, mais bon. Vas-y, non mais dis. J'ai refait les lights. Je les ai fait oui, hyper rapidement. Je me suis dit que c'est ça vrai. Coupe le tueur comme ça. C'est vrai, tu as fait les lights, c'est vrai, je peux confirmer. Alors, par contre, par rapport à Alk, juste, je dis qu'Ando était avec toi. Oui, Spécimen. Ando, tu ne réponds pas. Alk, Ando est parti à gauche ou est remonté après à droite? Je vais te répondre. Je demande à Alk. Hein. Ah, à moi Ando, il n'est pas remonté, je crois, par labo. D'accord, donc si tu n'as pas tué, c'est qu'il venait de tuer le rouge à ce moment-là. Il a tué le rouge quelque... Non, peut-être, c'est une hypothèse. Oui, peut-être. Vu que le cadavre d'Artrand est vraiment au niveau quasiment de... Oui, parce que moi, là, je suis à l'AB, je suis sur le scan. D'ailleurs, merci de buzzer pendant que je suis sur le scan. De quoi ? Non, mais je suis sur le scan. Après, je n'ai pas vu remonter. Mais... Ah oui, non, désolé, mais moi, j'ai voté. Ben, en fait, je l'ai vu en live. Alors, pour le coup, je suis sûr. Okay. C'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Ralga, bon forcément sans spoiler, Ralga, as-tu des informations compromettantes? Est-ce que tu... Voilà, en gros, est-ce que... Bon bref, parle. Dis quelque chose Ralga, je t'en supplie. Mais sans spoil, parce que je sais que tu vas pas spoiler. Ouvrez cette foutue porte! Bien. Il y a trop de choses à faire. Il y a vraiment trop de quêtes, je suis perdu là. J'arrive plus à faire mon chemin pour gagner du temps. Mais voilà. Ah mais sérieusement, il faut arrêter de fermer toutes ces portes. Faut laisser aérer. Le Covid, on arrive à le tuer quand on ouvre les portes en faisant circuler l'air. Hein. Sérieusement. Oh là là. Ah, c'est bon, c'est ouvert là-bas. Et la personne à la lumière. Allez, c'est parti. Mais... Imra, Alk. Light One.
Imra, Alt, voilà, zut. Panique totale du joueur chaurien. Salut Mulan. Il y a quand même une passive sur Mulan. Hein. J'ai malheureusement fait sauter en dos, mais... Okay. Encore les lights? Mais arrêtez! Eh mais franchement, je sais pas, contacter EDF, payer les factures. Hein. Oh, encore. Des câbles, et toujours des câbles. En fait, c'est des gens qui volent le cuivre et qui le revendent, ça doit être ça. Ah le gars, j'ai des infos du point de vue de Nino, mais de mon côté, je pouvais rien voir. D'accord. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh non. Je suis loin. Ah bon, ça va. Oh le massacre. Ah oh bah là, ouais, c'est carré. Hein. Est-ce que Mulan, tu n'aurais pas pris tous ces gens-là pour une invasion de 1? Non. En fait... Mulan, je crois que tu les as empopinés tout à l'heure, en fait. Non, ça non, se trouve, non. C'était gros de ouf. Hein. Bah mais non, parce attendez. Que sinon, il y aurait mon deuxième avec moi. Et on aurait gagné. Quoi? Vas-y, Mulan. C'est de toute manière, c'est toi qui reporte. Ouais. Bah, en fait, alors, pour le coup, j'ai fini mes quêtes, j'étais admin... Et je sais que j'avais vu Alka Electrical, c'est lui qui a fixé les lights. Et à admin, sur les petites têtes, je vois qu'il y a toujours quelqu'un à Electrical. Donc je me dis, merde, bah, il est mort. Du coup, je suis remontée, la porte était fermée et le bouton report sonnait derrière la porte. Et j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir que j'ai déjà report le corps. Je pouvais le report de l'autre côté. Donc tu ne sais pas quelle est la couleur du cadavre? Bah non, du coup, désolé. Je pense, c'était où était le cadavre? Dans Electrical? Attendez, je crois que c'est orange. Si, c'est orange qui est apparu sur mon truc. Alors, juste... Où était le cadavre? Dans Electrical. Bah, ou soit juste derrière la porte, ou dans Electrical. Je sais pas. Juste... C'est bizarre. Un petit... Parce qu'il y en avait un juste derrière la porte. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Non, je pense qu'il y en avait un derrière la porte, vu que j'ai plus le report. Non. Parenthèse. Parenthèse. On est quatre. Un imposteur a déjà sauté. Donc, un dos était imposteur. Bah attends, comment tu peux être sûr? Sinon, il aurait gagné. C'est déjà terminé. Ah ouais? Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'honnêtement, le cadavre orange, je l'ai vu depuis bien longtemps sur Office. Et j'ai cherché toute la map, j'ai pas trouvé le cadavre. Et au moment où il y a eu Electrical, j'y suis allé. Mm-hmm. La première fois où il y a eu Electrical, attention, pas la deuxième ou troisième, mais il n'y avait pas de cadavre. Donc tu as vu sur les Beatles le mort orange. Au moment où il y avait le mort sur Office, il n'y avait pas le cadavre Electrical. Sur Beatles, sur... Donc ça veut dire que le cadavre n'est pas Electrical, c'est pas possible. Bah, ah ouais, alors d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un bug d'affichage, mais pour moi, bah, je l'ai pas vu le corps en fait, vu que j'étais derrière la porte et je l'ai pas vu. Ok, ouvert. D'accord. Light One, en 30 secondes, donne une thèse pour te défendre. Pour me défendre? Ouais. Bah moi ma thèse principale là que j'ai en tête c'est surtout que c'est Famulan en fait. Non, te défendre, pas d'accuser, te défendre. Te défendre toi, ouais. Bah moi j'ai terminé mes quêtes, donc là maintenant j'ai fait la dernière, donc maintenant, enfin genre... Ton parcours, vite. Mon parcours, j'ai été O2, j'ai été Weapon, là actuellement j'arrive Office. Enfin genre le round il a été super long, le parcours... Je sais pas, pour moi c'est Famulan. Non, pourquoi vous votez les autres? J'essaye de donner un round de plus. Hein. Oh non. Imra, attention. Ok, d'accord. Oh non. On est mort. C'est parti. Oui, on se merde, là, c'est bon. Tu vas à gauche ou à droite? Bah les gars, d'où ça parle là? Non mais c'est bon, c'est fini. On connaît le jeu quand même. Hein. Ouais. Bon, bah, rip. Hein. GG Light One.
Oui. Bien joué. Putain. Bien joué à mon mec qui a bien saboté comme il fallait surtout. Imara, comment tu peux accuser faire un Fabien alors qu'on sait qu'elle est safe? Par contre, le coup du je reporte électricole alors que le corps n'est pas électricole, ça c'est magnifique par contre. Mais du coup, ça devait être un autre corps. Mais non, mais il est pas d'accord. On est d'accord qu'il n'y a pas de cadavre électricole. Non, il n'y a pas de cadavre électricole. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des suspects. Il était derrière la grille. Si je peux me permettre, ça lag toujours. Hein. Je pense que ça serait bien de recréer la partie et peut-être de changer d'eau. Alors moi, j'ai fait Mulan à la réponse. C'est toi, Ando, qui a créé la partie et t'as pas une très bonne cour. Je sais pas si c'est lié, mais ça serait peut-être bien de faire un changement. Je suis juste créateur, je suis pas host, en fait. Hein. Je me pose la question. De toute façon, c'est les serveurs Among Us qui hébergent. C'est possible, Léo, de recréer la partie, en tout cas. Je tiens à dire que le kill paquet, je sentais que c'était Endo. C'était moi. C'est un de ses kills signature, de toute façon. Non, mais petit champion, je suis pas folle. Quelqu'un est bien mort à Electricol. Non, mais ouais, il était pas à Electricol. Ah, bah c'est touch. Bah, à l'extérieur de la grille, je suis mort. Non, en fait, d'ailleurs, merci d'être venu réparer les lights. Hein. Sérieusement, vous avez mis 15 ans à y aller. Oh, mais ça, c'est abusé. Alors, pour le code. Ah, mais tu refais, d'accord. Je pensais qu'on changeait d'host, entre guillemets. Je demande pas, je sais pas. Je délègue toujours, donc débrouillez-vous. Bon, bah, si vous voulez, on va faire le corps de Milo était entre électrical et communication. Qui t'a changé de scène, j'allais dire. Qui t'a changé de partie pour en profiter pour changer de map, non? Ouais, je change de map, ok. On vient de la changer, là. Bon, on vient de la changer. Ça sera sur Polus après. Alors, le code YHMPMF. Alors, N ou M? M, comme maman, à chaque fois. PFF. MF. Ça ne pas d'être un poster, j'en ai marre, moi. YHMPMF. Miss Fortune. Miss Fortune. T'as la dernière soirée, j'ai dû l'être une fois ou deux grand max. Et alors là. Les joies de la RNG. Map, du coup, là. C'est tout l'inverse. Mirage Q, c'est marqué en haut à gauche. Mais est-ce que je laisse tout comme ça sur cette carte là ou est-ce que je change un peu parce que. Non, pire map celle-là, j'aime pas du tout. Redonne le code s'il te plaît. Ouais, laisse comme ça. Hein. Comment? Redonne le code s'il te plaît. YH. M, P, M, F. Et maintenant, sans respirer. Y, H, M, M, F. Putain, merde. Ah, voilà, j'en étais sûr. Bravo. Okay. C'est un échec. Un, deux, trois. Y, H, M, F. Non, mais c'est bon. Voilà. C'est bon. J'arrive pas. Il manque quelqu'un. Oui, Nino. Il manque quelqu'un. Oui, non, mais... Ah. Je crois qu'il manque quelqu'un. Il manquerait pas quelqu'un là. Allô. Est-ce que Nino, tu nous entends? En direct, quelque part. Oui, pense. D'accord, donc Nino a planté en fait. Ouais, je pense que c'est carrément ailleurs là en fait. Hein. Est-ce que Ralga Régie confirme que Nino est là ou pas? Pendant oui, ce temps. Une mauvaise peau, c'est lui l'host, non. Ah, Nino a rejoint, est en jaune. Pardon. Pourquoi pardon? Go. T'as rien fait, t'as pas fait de bêtises. Go. Elle se fait juste désirer quoi. Go bah, c'est Nino, c'est normal, elle doit se faire désirer. Je suis désolé. Femme au pouvoir. Ah chef. Ah d'accord, t'as lancé. Très bien. Mais elle est arrivée, Nino. Bon, votez Light One. Oui, c'est bon, mute. Alors, bidon d'essence, Nino est là. Ça te fait que je te tue, c'est ça? Et on est que tous les deux, je voulais en profiter. RP. Toi, tiens, réparer. Ok, c'est bon.
Il y a beaucoup de monde qui ne se préoccupe pas vraiment de ce qui vient de se passer. Ah, j'ai une tâche en bas. Il y a trop de choses à faire, storage. J'aime pas quand les câbles commencent par storage dans cette map, ça te fait aller super loin. Salut Mara. Y'a rien là. Toujours pas de light. Oui, on a sauvé la Terre, il n'y a aucun astéroïde qui a touché la Terre. Ah, vert foncé. Deux morts. Ouais, deux morts, dont un près du début. Dans le couloir du début. Une classique. La classique, soit un retardataire qui a fait c'était kill pas ou... pas au début en tout cas. J'en ai vu deux traîner au début, il y avait Jake et il y en avait un autre. C'était oui, moi. C'était Light One. Light après one. On a avancé, il y a eu O2 et toi justement, Touch pardon, t'es revenu avec Jake faire O2. C'était pas au début en tout cas le kill. C'est lequel a pu revenir exprès pour la console d'une minute là hein. Mais c'est Ando que j'ai plus. Je peux innocenter Mezzo. Nice. J'ai vu faire une tâche. Merci. Il a peut-être c'est... fake. C'était toi qui étais à Balcony pendant un bon moment. J'étais à Balcony, moi. Ok, ok. D'accord. Oui, parce que j'étais à admin et j'ai vu quelqu'un pendant très très longtemps à Balcony. Un stéroïde. Et du coup, je suis descendu pour voir qui était. Astéroïde, et au moment où je suis sorti, j'ai vu 3 à 4 personnes rentrer dans le café et se diriger vers storage pour des tâches, ouais. Je suppose. Il y avait Light One qui était en haut, j'ai vu Jake sur le balcony. Moi aussi, j'étais dans le balcony. J'ai fait les astéroïdes, mode balcony. Non, j'ai 0. T'as été, Médé, t'as été café? Hormis tout à la fin? Non. Non, moi je suis parti, j'ai fait Medbay, j'étais avec Kylian, ensemble. Ouais. Et ensuite je suis monté, j'ai fait office et admin. Ouais. Ah mais c'était pas toi du coup qui était à Balcony pendant très très longtemps? Non. Non, ça devait être moi je pense. Moi Light One, pardon. Ok. Hulk, quand il y a eu l'alerte, pourquoi t'es resté dans admin et que t'es pas allé faire le code juste au-dessus? Bah, alors, j'allais poser presque la même question, mais en fait, quand je suis remonté en haut, j'ai vu qu'il y avait Famulan dessus. Mais c'est moi qui l'ai fait le code. C'est Imra qui a fait le code. Hein. Alors, attends, il y avait Famulan juste dessus. Non, mais personne n'a fait le code. Hein. Lequel? Le code à la serre. Ouais, en haut. Si, j'ai essayé de le faire, mais je comprenais pas. Il y avait écrit 1 sur 2. Du coup, je suis redescendu. Et en fait, c'était ceux-là qui manquaient. Alors, je comprends rien à ce code-là. Non. C'est moi j'étais à admin, je regardais. C'est celui du haut qui n'avait pas été fait. Mais on est dessus, alors je comprends pas, mais je pense que tu l'avais dessus, Imra. Celui du haut, il y avait Famulan qui était dessus pendant un bon moment, parce que Imra il était dans le couloir. Ouais, mais c'est Imra qui l'a validé, celui du haut. Ok, ok. D'accord. Et c'est Touch qui a fait celui du bas. C'est bizarre. J'ai vraiment du mal à Echo 2 ici, sur la carte. Bah, en fait, l'alarme O2 de cette map-là, c'est le même principe que l'alarme dans le vaisseau. Il faut faire. Je ne sais pas où il est. Mute. Reprenons le fil conducteur. Doview, machin, A4. C'est souvent en 4 ici, je ne sais pas pour vous, mais. J'ai souvent. Salut, Touch. Touch, Hulk. Labo, locker, bah en gros c'est quasiment tout sur la fin, Med, Artrand, sur les câbles, on va faire la même chose, bleu, jaune, rose, rouge, vite on passe.
Light One n'est pas mute. Light One a râlé. Light One a dû se faire tuer. Oh non, le cristal. Je déteste. Je sais pas pourquoi. Je ne supporte pas cette tâche. Voilà. J'aime vraiment pas cette tâche. Bah, c'est sur le chemin qu'on va partir en bas. Vite, 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 vite. Un cadavre. C'est qui ? Putain. Vous étiez où ? Réacteur. Là, je suis à Capette, là. J'allais taper le code O2 du bas. C'est tout, Imra, ou... En fait, je suis embêté parce que j'étais en train de faire mon memory truc en haut à gauche. Et quand je suis sorti pour redescendre faire l'alarme vers le sage, je suis tombé sur le cadavre. Donc le kill il vient d'être fait et moi il me semble avoir vu R30 descendre vers le sas. Est-ce que quelqu'un a vu R30 à un moment donné? Je confirme que j'étais dans le sas. Juste à ce moment-là, je viens de faire réacteur. Par contre, j'ai pas vu de corps. Moi, il me semble t'avoir vu. Il y avait Touch en haut avec vous. T'étais pas encore dans le... Il y avait Touch en haut. Ouais. C'est un des deux, voire. Est-ce que ça peut être les deux? En haut, en gros, au moment où on était 4 dans réacteur, je comprends laboratoire en même temps. Hein. On était 4. Ouais. Il y avait Imra, Artrand, Touch et moi. Je suis parti en premier. Je me dirige. Je viens d'arriver sur le bouton. J'ai pas pu taper le code. J'ai d'autres infos après, par contre. Et c'est Touch qui est derrière. Je suis parti après toi, Jack. Parce que j'ai voulu partir et je me suis pris le sas dans les dents en fait. Sachant que la mort de Light One remonte à peu près 40-50 secondes au moment où on était deux dans le laboratoire et un à réacteur parce qu'il a râlé micro ouvert. Ouais. Et son cadavre se situe présentement juste au-dessous du bouton O2 d'alarme. L'as vu, tu sais, qui est à Paris Porte? Bah, ça venait d'être report là. Il y a eu deux morts là. C'est pas Light One qui a été report, parce que j'ai pas eu le temps de report, ça a été report. Ouais, d'accord. Ok. Moi je crois que c'est Med que j'ai vu, hein. Dans le couloir au-dessus, entre Lab et Reactor. Mais vous avez la position. Oui, on est d'accord, c'est Med qui a été report là. Oui. Donc toi, Jake, t'as vu le cadavre de Light One, mais t'as pas eu le temps de report. C'est ça. Et Light One est mort il y a 40-50 secondes. Parce que tu chafouinais un peu à droite à gauche ou... Non, là j'allais me diriger vers... Il y a eu l'alarme O2 qui vient d'être déclenchée. Donc j'allais vers le bouton d'en bas de O2 pour taper le code. Ouais, okay. Et le cadavre il est là. D'accord. De Light One. D'accord. Là qu'on n'entend pas du tout là, à remonter. Il reste 20 secondes. Parce que j'étais au sensor, moi j'ai essayé d'analyser, de voir un peu ce qui se passait. J'ai essayé de retracer le chemin de Famulan, entre autres. Parce que j'avais un doute. J'ai retracé aussi un peu ton trajet. Et j'ai rien vu. J'étais cafette, du coup. Tu es cafette, seul, moi. Par les sensors, toi. J'étais cafette. C'était bien équilibré, les votes, là. Je l'ai dit. Bon, il me reste que d'aller au launchpad. Il y a quelqu'un qui est parti en bas, mais je sais pas qui c'est. Imra, Touch, Famulan. Imra monte. 3 monte. R30 descend. R30 descend toujours. Ah, mais il n'y a plus l'alarme O2 du coup? Pourquoi il n'y a plus l'alarme? Ah là là.
J'avais Famulan. Ah, mais je l'ai dit depuis le début que j'étais cafette. Non, j'ai regardé les sensors, en fait, il y avait une incohérence dans le truc. Dit au tout début j'étais cafette. Ouais, mais du coup, je l'ai pas entendu, j'ai écouté surtout la position des kills. Ah, désolé. Bien joué. J'avais tué, tu es deg. Bon, vous remarquerez que, encore une fois, je suis mort en premier, mais bon, je vois que ça me fait réel. Beaucoup. Hey, fabuleux, c'est purée, au début, là, tu m'as laissé me démerder. Là. Dur. Franchement, ça va être ma place, j'arrive pas, même si les vents sont toutes connectées. Ouais, c'est ça, moi j'ai utilisé à bas les vents. Ah, mais je comprends mieux au début pourquoi t'as pas fait le truc, là, le code de la serre. Non, je comprends vraiment rien à l'eau de Gorp. La partie a été relancée très très vite. Doucement, Ando Baptiste, doucement. Parce que le stream, il va pas durer éternellement non plus, je vous le dis, mais... Alk serait censé faire le... Ok. Ça fait 2h20 que l'on est en stream. Normalement, c'est sur ce genre de choses, on est sur du 23h, on a déjà dépassé. Je pense qu'on en fait 5 là et une autre. Pardon, et après on coupera le stream. Pour ceux qui veulent, je pense qu'on continuera en off. Mais j'aimerais faire une pause, en fait. Parce que papy, il a besoin de s'étirer, de boire, d'aller faire pipi. Non mais, Ralga, sérieux. Tout d'abord, je suis pas mort en premier. Ok, Ralga, je le fais de suite. Deuxièmement, je doute que ce soit Artrand et Alk, même si on n'a pas les visuals, je pense qu'ils ont fait un max scan. Moi aussi d'ailleurs. Qui a été dans la cafétéria récemment? Moi, je viens d'y arriver. C'est-à-dire que tu viens d'arriver? J'ai atterri à la tapette, j'allais en bas à gauche. Imra? Oui? Tu arrives d'où? De admin. Et où actuellement dans le couloir là à peu près? Je viens de dire, je viens d'arriver à cafette. Moi je t'ai pas vu, le corps il est genre en haut de cafette. Donc c'est étrange. Ah ouais? Ouais. Mais écoute, je sais pas. Bah, ce qui est bizarre, surtout que. Voilà, j'aurais vu le cadavre s'il y en avait eu un. Ouais, bah justement, il y en a un, puisque j'ai des reports. Ouais, mais justement, si tu reportes un cadavre, alors qu'il n'y en avait pas avant, comme moi, j'ai pas trébuché sur un cadavre. C'est suspect. Okay. N'est-ce pas? Vous êtes où les autres? Non, parce que bon. Admin. Décontamination. Laboratoire. Le couloir, pardon. Le couloir. Un réacteur. T'as jeté où? Mais il est mort. Pardon. C'est pas mal. Bon, bah, du coup, c'est pas Light One. Hein, sinon, il se trouve sous terre. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a été distributeur aussi, là, à droite de Cafet. Non? Ça doit être l'imposteur, je pense. Bah, c'est pas toi, Endo, du coup? Encore été... Vraiment, le cadavre, il est à la sortie du couloir, dans Cafeteria. Alors, je l'aurais vu. J'ai mis un pied dans Cafeteria, le cadavre est là. Et toi, Endo, t'es arrivé d'où? Bah, du coup, j'arrivais de Medscan, puis même Artrand m'a croisé là-bas. J'y croise aussi Jack aussi un petit peu là-bas, il me semble, au début. Donc, en fait, ouais, il y a eu Jack qui regarde. Entre Imra et toi, il n'y en a aucun des deux qui est cafette, vous êtes tous les deux en train d'arriver, quoi. C'était en train d'arriver, je l'aurais vu, et moi, je le vois pas. Après, Endo, j'ai fait le scan, et tu t'es positionné sur le scan directement après. J'ai eu le temps de faire deux quêtes à admin, enfin, de monter jusqu'à admin, de faire deux quêtes à admin. Oui, sur le scan Imra, c'est Al qui l'a fait. Oui, c'est Al qui parle. Excuse-moi, je confonds. Regarde. Mais putain, non! Langage. Pourquoi personne ne croit jamais? Pour le coup, moi, je te crois, là. J'ai envie de te croire. Ouais, moi aussi. Bon courage, hein. Mais t'es mort, c'est con. Langage, Jake.
Tiens, Imran n'a pas de tenue. Non! Oh, putain, oh langage, j'ai failli de faire laisser passer un caillou. J'aime pas laisser faire. Oh zut! Hein? Voilà. Alors les. Oh bon, ben, la light a été réparée, parfait. Bon, pour cette partie, je ne pense pas que ce soit Hondo, je ne pense pas que ce soit Light One. Qui va sortir en premier? Rouge ou blanc? Blanc. Salut! Rouge est vivant. Ok. Allez. Compliqué. Imra, t'aurais pas fait un rapide aller-retour aux deux admins? Admin aux deux admins? Par hasard? Attends, admin aux deux. Attends, je viens du bas en plus, moi j'étais avec toi au fil électrique. Oui, je sais justement. Arrivé à admin, je suis allé dans la salle admin en haut à droite pour faire la petite tâche du vaisseau. Toi, tu es, je suppose, soit regardé la table, soit été sur la tâche du code de la carte. Un peu longué. J'étais sur les vitals, c'est d'ailleurs quelqu'un d'autre qui était. Enfin, sur le truc. Non, donc tu étais en train de regarder la table, tu n'étais pas sur le code de la carte. Ah non. De la tâche, hein, je parle pas de au-delà, je parle de la tâche. Hmm? Ok. Parce que le cadavre, vraiment, le temps que je fasse la tâche du mon petit vaisseau, je pense que tu aurais pu avoir le temps de monter, faire 3 mètres aux deux en haut, vraiment il est sur le pied de la porte, tuer et revenir sur le truc. Je vois ça comme ça, parce que je pense qu'on aurait vu le cadavre en allant à admin. Je pense qu'on l'aurait vu, je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas eu le bouton report. Et là je me dirige vers O2 en haut pour le code, et en fait il y a le cadavre au pied de la porte, quoi. Attends, j'aurais fait le kill avant qu'il y ait l'alerte O2. C'est ce que tu es en train de dire. Avant ou pendant? Parce que là, ça serait stupide, du coup. Parce que du coup, là, vous tombez forcément sur le cadavre, parce qu'il faut taper le code. Tu vois ce que je veux dire? On tombe, oui, dans tous les cas, on serait tombé sur le cadavre. Mais je pense que tu aurais pu faire semblant d'être sur la table, en mode, j'ai rien vu, je reste sur la table. Ah, ouais, mais non. C'est ça que je veux dire. Bref, les autres. Alors moi, j'étais au sensor, j'étais en train de regarder ce que faisait Imra. Je l'ai vu passer Southwest deux fois, North deux fois, Southwest. Tu l'as pas pris de vent, c'est ça? Ben, j'ai pas l'impression qu'il ait pris de vent. J'ai pas l'impression qu'il ait pris. Ouais, j'arrivais dans le test de décontamination, pardon. Pour aller faire les réacteurs, ça reporte. Moi, j'arrivais le cœur. Moi j'ai pris café, storage, après je suis descendu du medbay, et puis après je sortais pour aller au locker. Je suis monté là-haut. Qui c'est qu'on a pas entendu? C'est Nino, je crois qu'on a pas entendu. Mmh. Je suis à réacteur, j'ai fait le memory, il y a eu l'alerte à réacteur, j'étais déjà sur place du coup. Je sais pas. Je pense qu'il me radit la vérité, mais dans un sens, je pense qu'il aurait pu faire ça rapidement. Imra, il est malin, hein, quand même. Hein. Donc, je sais pas. Pas du tout. Là vraiment.
Il y a Nino qui vient de partir du sas. Sérieusement, donc j'avais raison, bordel. Oh, j'avais raison. Imra, où es-tu? J'étais redescendu là, j'étais en train de redescendre à l'univers Carfet de nouveau. Non. Je ne sentais pas de cadavre. Je t'ai vu. Attends, tu m'as vu où? Je t'ai vu dans le réacteur. T'as des visions? je sais qu'on m'appelle sûrement Madame Irma, mais. C'est grave. Ça commence à faire beaucoup contre toi. Imra, là, t'es en train de dire que t'es passé par le sas de décontamination, que t'es remonté jusqu'au carrefour et que t'es redescendu vers Cafet, c'est ça? Bah ouais. Ouais. Bah alors moi, je descends de admin et je t'ai pas croisé. Ah. Bah après, écoute, il y a des visions de côté de Milan. Je l'ai vu. Que toi, t'as des visions inverses. Hein. J'étais caché dans un petit coin comme ça, je pense qu'il y a une vente. Mais sauf que je l'ai vu, parce qu'on voit à travers les murs. Je suis dead. Attends, parce que tu m'as vu où? Dans le réacteur, t'as dit? J'étais dans le labo, ouais. Dans le labo, pas réacteur. Nino, bah, si tu m'entends labo, à travers le micro de Ralga, Nino, ne fais pas de bêtises, Nino, entends ma voix, Nino. J'ai vu un corps, alors du coup, c'est... Mais t'as voté, Nino, t'as voté vite. Nino, que tu aies bien voté, Nino. Elle ne m'entend pas. Nino! Non. Attends. Je réfléchis. Je sais plus ce que j'ai fait après dans l'ordre. Écoute ma voix d'outre-tombe. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais. Oh Mulan, c'est passé à un poil. Bon, du coup, c'est Médé qui m'a tué et j'ai vu Imra tuer. Donc j'avais raison sur la théorie de Imra. Mais maintenant, il faut faire attention à Médé. Fais attention. Alors, vite, finir les tâches. Vite. Elle a voté. Ah, je suis content. C'est bien, Nino. T'auras un cookie. C'est lequel? C'est celui-là. Vite. Celui-là. Allez! Cristal de... Voilà. J'ai fini la tâche. Cool. Où est Nino? Bon, allez, qu'il est là. Où est Médé? Ils sont tous là. Oh, restez ensemble, Mulan et Nino. Restez ensemble. Non, Nino, t'es toute seule. Non. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il merde. Langage. Je sais pas où est-ce qu'il part, du coup. Toutes les ventilations sont reliées ici. Nino est là. Médé qui court. Médé qui va. Médé a tué Hulk. Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse les machins que je sais pas lire. Ben voilà, Dead Report. Mulan, s'il te plaît, dis quelque chose de bien. Qu'est-ce qui vient de mourir là? Hulk. Par contre. Alors, attends, vas-y, parle. Hein, on a dit que c'est celui qui reporte qui parle. Bah, c'est près de.
près d'admin. Sauf que bah, les deux dernières qui étaient là, c'était toi et moi, Nino. Quoi. Exactement. Moi, Nino, ouais. Moi, je suis safe, donc je t'accuse. Parce que, en effet, je suis redescendue, j'ai regardé qui c'est que j'ai laissé là-haut. Et là-haut, j'ai laissé bah, toi avec Alk. Alors, pour le coup, ah. Reporte le corps là, ça serait vraiment très con à trois, pour le coup. Nino, mais n'accuse pas Mulan. Mulan a sauvé la Chine. Mulan a la bénédiction de l'empereur. Mais vraiment. T'es où, toi? Donc je pense que je peux l'innocenter, me ratuer, je pense à des contaminations. On était vraiment tous les deux, que tous les deux. Oh putain, au secours. Moi sur la fin j'étais café de balconnier. Menteur. Ouais, moi je... Pour le... C'est dommage parce que je pense juste pour toi parce que tu m'as... Non, non, pas menteur parce qu'en fait il a ventilé après mais... Mais... Il a utilisé une ventilation, il a pas ventilé, sinon on aurait appelé le SAMU. Ah, dans la louche. C'est soit Med qui a vent, oui, soit c'est toi Mulan, parce que bah, t'étais là. Donc, moi, je... Non. Alors, Nino, là... option 1. Nino, option 1. Appuie sur 1, vote pour 1. Je appuie sur 1. Mon intuition première ou est-ce que je pense à la vent? Oh putain. Oui. Oui. Ah, oh, je sais pas. Mais non, tu sais. C'est pas Mulan. Je vais faire pour coup. Mais non, fais pas. Oh, ah, oh là 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 là. Parce que j'ai été à nous toute cette game là et je pense qu'elle aurait largement pu me buter à d'autres occasions. Non, alors. Bon, wow, hein. C'est chaud, je sais pas qui c'est entre vous deux. Trop mentu. Non, 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 mais vraiment pas. Je sais pas qui. Un de vous deux n'est pas l'imposteur, ne vote pas pour moi. Mais Mulan, mais non, mais. Oh, putain, les filles pour moi, je m'en... C'était sa technique, mais... Putain. Attends, faut que je me remémore les rounds d'avant. Vous étiez toutes les deux là-haut, de toute façon. Oh, je suis en bas. Moi, je suis en train de redescendre. J'avais la quête du début, celle qui dure une minute. Je l'ai lancée, je suis partie. Là, il fallait que j'aille la finir. C'est ma dernière quête qui me reste à valider. Bon, je vais faire... Il essaye de mettre le doute entre nous, Nino. Oui, c'est ça, Mulan. Ah, bien sûr, je suis sûr que... Yes! Yes! Ça serait ça. Ah bah. C'est ça? Oui! Yes! Dommage, c'est bien joué. Oh le brain. Ah, Nino, trop bien, merci. Imra, je te déteste! Pourquoi? C'est toi qui as fait ce foutu kill! J'ai voulu mettre le doute entre nous deux, on était les deux entre nous. C'était soit trop beau. Bête. Il a ventilé. Oui, oui, oui. Mehdi a clairement utilisé une ventilation. Hein. Je me suis dit, Mulan, elle parle. Rien. Mulan, elle veut faire savoir qu'elle est safe. Elle est safe, c'est bête. Par contre, Mulan, j'étais tellement plus à l'aise dans le réacteur, je sais pas où elle était la bête. Du coup, je me suis caché au fond, je me suis dit, elle va pas me voir. J'étais en train de féquer au fond. C'était magnifique après m'avoir tué là. Non, mais je me dis. Pas où aller. Bah attends, mais en plus, je me dis, mais il est en train de faire les réacteurs alors qu'il n'y a pas de tâche là. Et je me dis, trop bizarre. Et au final, quand j'y retourne, il n'y a pas de reine. Putain, j'étais à deux minutes. J'étais caché. On est d'accord que la reine du report, elle est abusée par contre. C'est-à-dire. De quoi? La range du report, elle est abusée. Oui. Parce que... Du report, du kill aussi, mais bon. Bah du kill, c'est déjà court. Ouais, je sais, mais... Voilà, ouais. Je trouve ça ouf. Parce que là, moi, j'étais vraiment tout à gauche du réacteur. Et quand elle m'a report, j'étais... Enfin, elle était à droite du centre, on va dire. Ouais, le report était assez loin, ouais. C'est pas comme la game d'avant avec le report electrical de Touch qui était pas ouais, bien. Bah oui. Ouais. Lost, donc Ando, c'est ça? Ah, mais du coup, t'es passé sur Ando, sur le perso, et Baptiste sur Discord. Ah oui, t'embrouilles pas les gens, toi. Pour ma part, c'est une dernière en live, après pause, et pour ceux qui veulent faire du off, on fera du off. Ok. J'ai une question avant. Qui sont les trois personnes qui ont voté contre moi? Je veux des noms. T'es contre toi? Oui, oui. Contre qui? Début, quand j'ai reporté le corps. À la première game non, là, ah bah moi j'ai voté contre toi, moi j'ai sauvé mon cul. Moi aussi j'ai voté contre toi.
Voilà. Qui est innocent un peu... Je veux un nom. Il y a un innocent qui a voté contre moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Je demande la vidéo arbitrage. C'est pas moi, après c'est la tribu des panou panou. Ah mais Imra a pu durer. Hey, bisous. Ah non non non, va-t'en. Attention, Imra se cache. Mais les filles, à la fin, j'ai failli vous détester. J'ai eu tellement peur. Bon, alors. Bon, on n'aura pas été imposteur toute une fois de la soirée. Hein. Ok. C'est à storage les câbles. Du coup, après la light, on dira à storage. Il y a quelqu'un qui doit se mute. Ah, c'est bon, bah en fait, tu peux te démute. Il y a mort. Je m'étais pas mute non plus. Oh, mais je crois que c'est pas l'imposteur cette fois. Ah bon ? Il y a un... Je sais pas qui est où, mais il y a un cadavre dans le couloir. Qui monte vers... vers les lights. Ok. Qui est déjà passé ? Bah moi je suis déjà passé, Jack aussi, et Med me collait les fesses. Et je... Merde quoi. On est plusieurs, on est pas... On a un bon 5 là, au niveau des lights. Ouais, j'étais premier. J'étais pas 5, mais j'étais premier. C'était moi le premier. Non. Non, c'est j'ai le premier au light. C'est... Ah, j'ai une personne arrivé... Je suis arrivé le premier au light, je suis quasiment sûr. Oui, peut-être. Avant que les lights s'éteignent, il y avait qui ? Il y avait Ando, Touch, je crois, avec moi, dans le couloir. Et Med, ouais, il me semblait bien. Mm. J'ai pas vu, mais personnellement. Je l'ai vu jusqu'au moment où on tourne à droite, justement. Dans le couloir qui commence à pencher vers la droite. Et à partir de ce moment-là, je l'ai plus vu dans mon radar. En même temps, il faisait noir, donc je voyais pas grand-chose. Okay. Moi, je suis pas du tout avec vous. Pareil. Je suis à l'entrée du SAS. J'ai vu Famulan partir vers le SAS, en effet. Mmh. Oui. Je suis partie au début et je suis déjà réacteur. Bon, bah, c'est pratique, hein. C'est ça, ça aide pas beaucoup. Ah, ça en élimine 3. Ah, quoique non. Enfin... Oui, c'est un peu sûr, donc je sais pas. Ça pourrait être Famulan qui a fait pas, le kill et qui est redescendu. J'ai aucune idée de si ça pourrait être quelqu'un qui aurait fait le tour, j'en sais rien. Ça me paraît juste. Je pense pas. Ah, peut-être pas. Tu étais où ? Je viens de le lire, j'étais. Je suis allé au light. Il y a Jack qui est derrière moi, je pense qu'il peut m'innocenter. Il peut l'innocenter. Ah, pardon, oui, oui. J'innocente pas. J'innocente personne parce qu'au final on peut pas vraiment savoir qui c'est. Ah, non, c'est vraiment un kill de l'ombre. Mais au light, enfin, je maintiens, on est, je pense, un bon 5. Moi je peux innocenter une personne. Moi je peux faire un light. Qui ça ? Je suis pas forcé de le dire. Bien. C'est chier. Alors. Alain de 3. Oh, c'est joli, Ralga, comme ça, c'est... j'aime bien. On va prendre l'arrosoir. Et bonjour, l'arrosoir. Réacteur, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, on fait pas. Ça dure 30 ans. Oui, alors j'ai pas compris, moi. Je suis désolé, encore une fois, ce genre de choses, Ralga. Je suis désolé. Vraiment, ça m'embête, moi, le premier, mais ça, je sais pas ce que c'est. Hélène. Attends. C'est bien LN. Donc c'est logarithme, c'est ça. Mais alors avec le 3 comme ça, je sais plus du tout ce que ça peut être. Ni corriger, ni comment on peut le traduire ou quoi que ce soit. Ça va le lag sur... Elle,
Mais allez, les plantes, soyez... Mais d'accord. Alors, Tachi, il est là. Les câbles. Il y a quelqu'un au light, normalement. Ça met trop longtemps. Ça met trop longtemps pour les lights. Ok. Labo, réacteur, on va passer par le... ici en premier. Logarithme népérien, oh là là. Le népérien, je l'avais plus. Je viens de trouver... Enfin non, j'étais pas tenu à dire où c'est. Vous êtes où ? Dans un sas de décontamination, parce que j'ai attrapé le Covid. Ok. Puis à admin. J'arrive à admin. Storage. Vous êtes deux admin. Je suis pas encore à admin, hein. je suis dans le couloir entre office et admin. Oh bon, je suis en plein milieu d'admin. T'étais office déjà ? J'étais office avant, ouais. Ok, d'accord. Moi je suis vraiment dans, enfin pas dans admin, dans le couloir entre électricole et admin. Ok. Qui est-ce qui est en mouvement là, genre qui va à décontamination, qui va à café, je sais pas qui est-ce qui bouge. Non. Tâche sur les câbles. Ok, ça m'aide pas beaucoup. Le cadavre il est Med Bay. On va voir si, je sais pas si ça aide des gens à savoir si vous avez croisé des gens par là. Et bien, Jack est pas dans cette direction là, mais c'est tout, je fais pas plus. Il y a Jack qui est remonté avec moi pour aller vers les lights. Oui. Mais ça c'était avant. C'était avant. Et en dos, on a fait une tâche de câble ensemble dans un couloir, au milieu du couloir. Et après toi t'es parti sur la droite, je crois, et moi je suis parti dans le sas. Lightone, je voulais savoir comment t'as découvert le corps, tu venais d'où ? Je venais du Y, je t'ai vu, j'étais au-dessus de toi. Donc t'es arrivé, tu descendais ? Oui. T'es arrivé, et t'as trouvé le corps de Med Bay. Alors moi, j'ai juste une information, c'est que moi j'ai fixé les lights, je suis reparti, j'ai vu énormément de monde qui est monté du coup office pour fixer les lights, et il y avait quelqu'un qui traînait légèrement au retrait du groupe, c'était Nino. En effet, personne, ni donc j'ai personne pour. Donc c'est pas impossible qu'elle ait slashé Med Bay et qu'elle ait un petit peu de retard du coup pour les fixer les lights. Et toi après quand t'es redescendu Lightone, t'es tombé sur le corps. Descendre, j'ai même pas cherché à aller au light. Parce que tu voyais clair. Généralement j'y vais pas, je laisse les autres le faire quoi. Ça me dérange pas de pas avoir la lumière. Sauf pour voir qui va. Okay. Dans d'autres démos, je pense qu'il y a plusieurs moments où il aurait pu me tuer et bah c'est pas arrivé. C'est pas, je ne sens pas non plus, mais sans plus quoi. Il y a des gens distraits comme Mulan actuellement qui me semblaient un peu. Moi je louche. Là j'étais à Electrical, mais j'étais avec Artrand juste avant, je crois. Si je dis pas de bêtises. Encore pas non. Ah oui. Je sais pas du tout. Le download là. Ouais, ouais, exact. Ah, c'est pas Electrical ? C'est Office. Ok. Non, le download est Office. Ah, il faut. Lightone est descendu. Hein. Orange monte. Ando monte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord au Launchpad. Donc au spawn. Enfin, au spawn. Le départ, quoi. Voilà, ça c'est fait, on n'y reviendra pas, salut. Attends. Je le savais, elle a voulu vente.
Je pense que j'aurais dû la laisser ventiler, utiliser la ventilation, pas ventiler, et après les labeuses, parce qu'il y aurait eu plus personne dans le sas, dans le launchpad. J'ai pas réfléchi. J'ai trop réfléchi, peut-être. Je sais pas, un des deux. Bon, on a fait tout. Baladons-nous. Survolons les cieux. Personne, y'a personne. Étoile qui s'étouffe. Il doit sûrement être en train de se faire étrangler. Ah non, il est là. Cadavre. Ah mais c'est moi. Je suis con. Langage. Nino. Lights. Artrand. Il est passé dessus. Où êtes-vous? Electrical. Office. Réacteur. Amination. Moi j'étais com et là bah, j'ai pas bougé en fait. J'étais en accès dans le couloir. Ok. Bon. J'ai un petit soupçon. Au tout début, je suis allé faire une quête balcon. Je suis allé faire les ballons là. Et après, j'ai eu un truc, les fils au niveau de storage. Quand j'étais au niveau de storage, j'ai vu la porte du balcon s'ouvrir et quelqu'un sortir du balcon alors que j'étais tout seul. Avant. Et personne n'avait pu m'en rentrer. Du coup, je suis allé voir un petit peu au niveau de communication et j'ai vu que Light One avait passé le passage sud-est, puis le passage nord. Oui. Mais en fait, j'étais au début de la game, j'étais balconnier, en fait, j'étais sur les astéroïdes. Je sais pas pourquoi tu m'as pas vu, mais... Enfin, si, je sais pourquoi tu m'as pas vu, je me suis caché derrière le satellite. Mais après, normalement, okay. je crois que tu vois le pseudo, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Parce que là, en fait, le corps, pour vous dire, il est entre Medbay et Launchpad. Et comme par hasard, il y avait Light One qui était en train de... Bah de rien faire entre Medbay et Light One, et juste au moment où je suis passé à côté de lui, les lights se sont coupés. Mais non. Voilà. Enfin, si, peut-être que c'est Light One, j'en sais rien. Mais non, quand même. Je t'ai pas vu passer, j'étais sur les d'horloge là, le machin qui fait bip bip. Ah si, t'étais en plein milieu du couloir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je t'avais pas vu passer quoi. Ouais. Il a voté. C'est où du coup exactement? Les Mulan qui en profitent. En plein milieu du couloir entre Launchpad et Medbay. Alors moi, quand on démarre, là, j'ai juste une question. Alors en commençant, excusez-moi de vous couper, par Nino, Light One et après l'ordre que vous voulez, votre nombre de missions restantes. Nino, combien? Je crois qu'il me reste une. Non, je viens de finir. Excuse-moi, je dis une bêtise. D'accord, finir. D'accord. Light y a qui moi j'ai fini aussi. C'est, pour c'est ça une bonne nouvelle en soi. Bon là, il n'est pas tout à fait terminé. On va terminer. C'est juste que. Famulan, il t'en reste combien? Il m'en reste. C'est passionnant, mais long. Artrand? Une seule, et c'est juste. Et Endo? Donc je suis Endo, mort, il ne m'entend pas. J'ai fini. D'accord. Bah, on peut la jouer groupée, et puis va falloir cliquer. On la joue gris. Il reste du coup deux missions, une de Artrand et une de Famulan, je crois. Ouais. On peut la jouer groupée, et prêt à cliquer report en cas de problème. Ouais. Pas même bouton report, s'il vous plaît. Oh, il y a un vote sur Mulan. Il y a un vote sur Mulan. Je parle à la pêche aux informations, hein. On est mort tant qu'à faire.
Light est quand même... Et oui, Hulk. GG. Bravo, Hulk. Oh non, j'ai fini l'émission, hein, parce que... Comment il nous a répondu? Ah ouais? J'avoue, c'est la fin, je dis what the fuck. Ah ouais, non, je suis désolé, je pensais vraiment être mute. C'est trop deg. Après, sur la fin, Famulan, il aurait fallu qu'on soit tous les deux pour, dès qu'on avait notre CD, faire un oui, je sais, et après, mais en fait, comme je l'ai entendu, je me suis dit, mais il est sérieux, là? Et du coup, j'ai été... On habite ensemble, il est venu, il me dit, désolé, du coup, bah, j'ai pas avancé. Et pour moi, Mulan, c'était suspect dès le début, en fait. Si je peux me permettre, je pense que mon kill est totalement ma faute. Parce que j'ai vu Mulan aller lunchpad, et j'en revenais. Je suis parti, j'ai fait 3 mètres, je l'ai laissé. Je me suis revenu vers lunchpad, je l'ai vu passer, elle allait vers la ventilation, elle m'a vu. Et bizarrement, elle m'a suivi comme si de rien n'était. Je m'approche un peu d'elle, et je pense que c'est là que j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû m'approcher d'elle, et elle m'a tué. Alors que j'aurais dû attendre qu'elle passe la ventilation, et après elle est buzzée. Tu voulais vérifier si c'était elle ou pas, c'est pour ça que tu t'es rapproché en fait. Ouais, sauf peut-être. Une fois qu'elle t'a slash, après c'est terminé. Ouais, du coup, après t'es sûr quoi, du coup, c'est pas mal. Ah, hein. Mais ouais, kill okay. Vraiment débile de ma après, c'est un suicide quoi. J'ai mis du temps à trouver, c'était trop bien. Ouais. Du coup, Light, j'avais raison, t'avais bien. Non, j'ai pas vent. Non, t'avais pas vent. Balcony, je suis vraiment passé. Enfin, je sais pas, je t'ai pas vu non plus, mais je suis vraiment passé balcony. Ok. De manière normale. Je sais pas ce qui se passe là, du coup. Oui, moi je vais cutter le stream là. Donc pause en IRL. Après, pour ceux qui veulent faire du off, on continuera. Donc merci à ceux qui ont suivi sur le chat. Vous étiez assez nombreux, c'était cool. Il y a eu pas mal d'interactivité. On se retrouve prochainement, bon, mardi prochain certes, mais prochainement pour d'autres choses aussi. Suivez Ivas un peu partout. Suivez les lives de Imra qui sont assez réguliers. Les lives de Nino également. Abonnez-vous. On vous fait des bisous, loin et masqué, mais gardez le sourire, c'est important. Voilà. C'est beau. Des bisous. Bisous tout le monde. Ceci est une fin de stream. Ceci est un écran de fin de stream. Et j'ai pas d'écran de fin de stream, pas encore. Alors on va faire du kazoo. Et là, on va tous mettre. Ils vont me dire coupe le stream, coupe le stream. D'accord, je coupe le stream. À bientôt.